Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. On est en live actuellement sur Twitch avec tout le gratin de Twitch, hein. Tous les meilleurs abonnés sont là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez, hein. Ils sont ici, ils vous attendent. Voilà, ils vous attendent. Et en plus ils vous disent bonjour, c'est merveilleux. Ah bah voilà. Eh ben on commence bien. Ce qui devait arriver arriva. Souvenez-vous, oh, si j'avais su la semaine dernière, on aurait attendu 5 secondes de plus, dis donc. On aurait été débarrassé. Voilà. Après Pomme, la semaine dernière, c'est Mathias. Qu'est-ce que ce qu'on rigole, dis donc. Ah, elle est trop drôle, la vie, dit. Qu'est-ce que je me marre, dit. Ouais, je fais partie de l'élite des meilleurs abonnés, wesh. Visage bien sûr. Cool, visage cool, visage cool. Et puis les petites, elles sont là. Oh mon dieu, elle va être trop mat. Bon bah, Papy est mort. Papy est en train de reposer sur le tapis. C'est horrible. Quel bon début de live. Ah oui, là, oui. Ah, c'était vraiment à 2 secondes près, quoi. Je suis dégoûtée. La semaine dernière, on a arrêté trop vite. C'était rapide. Hop. Mais c'est bien, de toute façon il avait plus de chambre. Je vous rappelle qu'on avait réquisitionné la chambre pour faire la chambre des filles. Pour plus qu'il... Voilà, parce qu'il avait plus de chambre, faut pas déconner non plus. C'était pas notre héritier, hein. Donc, mais on le savait qu'il allait suivre Pomme très, très rapidement, mais... Là vraiment c'était... Fini le caleçon à cœur, j'avoue. Quelle tristesse. Comment je fais pour avoir ce point de vue dans le jeu? Tab. Là, tu remontes les murs et tu descends. Et t'as le mode table, c'est le mode cinéma en fait. C'est comme ça que tu peux faire des machinima et tout. C'est que t'as plus du tout l'interface. Et ça, c'est trop bien. C'est vraiment juste le mode table. Pouf! Là, je l'ai pas. Là, je l'ai. Et après, bah, tu bouges. Mais il faut vraiment. Depuis le temps que vous me demandez la vidéo sur le mode table, je vais finir par la faire. Un jour. Et salut Marine, comment vas-tu? Encore une super fan, je suis là, c'est bon. Ouais, alors que je viens juste de dire que les meilleurs abonnés étaient là, mais t'étais pas là. Ah! Rien à récupérer dans son inventaire. Wow, il servait pas à grand chose. Ah si, l'aspirateur. L'aspirateur pour Vlad. C'est Vlad qui va récupérer. Non, on s'en fout. Il y a quoi? Il y a ruban deuxième place du concours de tarte. Parce qu'on a, en plus, on n'a même pas gagné. Tiens, on va le mettre là. Parce que c'est bleu, donc ça fait partie de la décoration. Hop! Bon bah voilà. Hein. Ouais, c'est bon, va faire crac-crac avec ton mari. Oh, les petites, elles sont trop mignonnes. Eh bah, c'est bon, oh là là. C'est pas grave. C'est pas pis, c'est tout. Bah, on savait qu'il allait clamser, les filles. Hein. Il attendait que vous grandissiez. Il en fait plus, Vlad. Il est mort. Oh mon dieu, papy. Oh, mon beau papa. Bon, ça suffit. Oh là là, vas-y, à faire crac-crac. Elle est très heureuse, hein. Ah non. Ça changera les idées. Je suis horrible. Heureusement que je demande. Oui, bon, après, c'est pas... Parce qu'en fait, en général, je laisse pas dans l'inventaire des maris. Enfin, je mets toujours dans l'inventaire de l'héritier d'après. Comme ça, moi, je suis sûre de pas oublier, quoi. Clac. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, oh, c'est pas possible. Va en faire des câlins à ta sœur, là. Oh, en fait, pour tout vous dire, je me suis bouffé du bon bain, là, en montage. Depuis 2 jours, je peux vous dire que j'ai pas de patience là. I have no patience today. No more. No more patience. Ah, tu peux pas aller plus haut toi. Ça va la beau faucheuse? Tu regardes Top Chef? Ça a l'air de lui plaire en plus. Je pars 5 minutes et il y a déjà un mort. Ah bah...
C'était à prévoir. Mais arrête de pleurer, c'est pas grave. Tu sais, Poppy, il était vieux, hein, et il a fait sa vie, hein. Et maintenant, elle rigole. Non, mais... Ces gamins sont complètement pétés du cul. Elle peut pas, parce qu'elle a fait un cauchemar alors qu'elle a à peine dormi 3 secondes et demie. Oh, un gros minou. Ça a pas l'air de... La faucheuse n'a pas l'air d'apprécier le chat qui monte sur la table. Ah, bon. On s'arrête là. Salut Malo, comment vas-tu? Oui, oui, je vais bien mieux. Merci Malo, c'est gentil. Il fait avoir Marine, t'inquiète. En fait, en regardant la rediff la semaine dernière, j'adore la tenue de sport de Vlad. C'est quoi déjà sa tenue de sport? Avec le bob! C'est vrai, ça m'a traumatisé. Magnifique. Magnifique. Pourquoi d'habitude tu en as? La patience? Non. Avec les bombins, rarement. Bon, bientôt plus l'heure du cauchemar, là. Vas-y. Tiens, je vais mettre la bouffe dans le frigo, parce que... Non, tu vas pas réveiller ton père. Allez! 4 minutes. Allez, hop, Audi. Ah, elle pue. Super. Ah, maintenant c'est lui qui va se réveiller. Non, bah tu dors. Allez, t'as pas fini ta nuit, mon petit. C'est comme ça que ça fonctionne, les gosses. Surtout dans les Sims, c'est beaucoup plus facile. Hein. Tu les diriges. Tu fais, oh, toi, tu vas dormir. Et ils vont dormir. Ah, tu vas déjà bosser. Ah bonne journée. Ah ouais, mais lui, il bosse en décalé. C'est vrai que la semaine dernière, on a oublié, mais on a réalisé la petite tromperie hein, qui nous est demandée pour le pitch de la génération bleue. Donc, on a trompé notre mari. Elle a trompé Vlad, la petite Céleste. Donc, voilà. Maintenant, bon, bah, c'est les compétences et c'est l'aspiration et la... Je vais y arriver. Carrière qu'il faut booster. On va y arriver, je trouve plus mes mots dit. Trop compliqué parler. Là, des bouts en tenue de sport, celui qui critique, je le banne. Ah, vas-y, banne-moi. Vous ne passerez pas chaque fois chasse à ça quand elle disparaît la faucheuse. Mais je sais, tu sais que des fois j'ai failli la faire plein de fois, mais je me dis après ça va être redondant. Mais je l'ai déjà fait, hein. Vous ne passerez pas. Forcément. La tenue de sport devait être horrible. Vous êtes sérieux? Je crois que Martial, il est choqué. Il est choqué. Choqué, déçu. Pardon. Mais donc, lui, il bosse à quelle heure? À 15h. Il bosse à 15h. Tu vas prendre des restes, mon chaton? Tu vas t'occuper de tes gosses, hein? C'est vrai, il y a du taf, hein. Bah quoi que, le temps que tu finisses de manger. Alors, bon, les filles auront besoin d'un bain. Donc, laquelle qui pue le plus, c'est Feta. Feta, elle sent le moitié. Manger. On va faire bain, ça va plus vite. Hé, hey. Hey. Va laver ta fille. Ah là 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 là, ça... Oh là, il y en a trop qui pleurent en même temps, là, ça me... Oh, mon petit bichon! Oh, mon petit bichon, il a le cœur meurtri! Oh, voyez-lui de l'amour, ce pauvre petit Martialoux! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous l'avez vexé? Comme même. Ouais, toi, tu vas venir ici? Ah non, je suis pas avec la bonne. C'est, je commence déjà à... Mais c'était pas Feta? C'est à quelle celle-là, oui, Mozza? Ah bah, c'était Maud.
C'est passé. J'ai pas pris la bonne, c'est ça, pour le bain. Je sais plus ce que j'ai foutu. Je suis une, je sais pas quoi ressemble cette tenue de sport tant méprisée. C'est vrai que moi je suis pas fan du bob déjà, donc j'aurai du mal. Mais bon. Chacun ses goûts après. Allez hop, bain, papa, bain. Vite, il reste une heure. Ouais, ils sont buggés les bambins quand ils marchent, c'est un truc de fou. Tiens, gars, ma biche. Va manger des pancakes. Tiens, petit chaton. Toi aussi, il reste combien là-dedans? Deux? Bah voilà, vas-y. Ah bah, ah bah oui, fausse viande des chips, c'était avarié, hein. C'était pas très goûtu. Hein. Ah si, c'était trop goûtu en fait. Oh là, trois gosses. Vlad, c'est le mec parfait, la preuve, il a gagné haut la main, vous êtes juste malveillante, toute jalouse. Oh là là. Mais un mec parfait ne veut pas dire forcément qu'il est tout le temps bien habillé. Il y a aussi des fois où... bah, il y a des baisses de forme. Ça arrive aussi, hein. Regardez-moi. Bon, vous avez plus l'habitude de me voir en baisse de forme qu'autre chose, mais bon. Alors. Viens ici te changer en... en tenue de sport. Merde. Voilà la fameuse tenue. Moi, c'est juste le bob que j'ai beaucoup de mal. Parce que j'aime bien le kit en dessous. C'est, je l'aime bien. Je l'utilise beaucoup. Mais c'est juste le bob. Le bob, j'ai beaucoup de mal. Voilà. C'est tout. Mais il y a sûrement une tendance dans la vraie vie. Mais moi, j'aime pas déjà le bob dans la vraie vie. Donc, dans les Sims, ben non plus. J'ai un peu de mal. Voilà. Et salut Océane, comment ça va? Et bah bon anniversaire à toi. Ça avait pas voté pour Vlad. Oh, Anne qui remue le couteau. Allez, oh mais qu'est-ce qu'il y a toi? Mais viens, je vais te donner à bouffer. Oh là là, tais-toi. Oh. Oh, aïe aïe aïe. Bon. Tu sais... Ouais, bah non, tu sais toujours pas aller sur le pot. Toi, tu sais aller sur le pot, toi, Jacqueline. Ouais. Mais on n'aura pas le temps et papa, il va partir bosser. Ah non, il bosse pas. Si, il bosse, mais pourquoi il est pas parti automatiquement? Allez, salut, hein. De toute façon, les gamins, ils vont disparaître. Non, 3, 2, 1, 0, 2, 1... 0, 2, pouf! Allez, dégagez! Hors de ma vue. Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Je veux pas dire, mais en même temps, dans les Sims, c'est pas l'éclate niveau vêtements pour les hommes, j'avoue. Apparemment, il y a eu un leak là. Apparemment, il y a eu un leak sur un des mini Rikikits qui devrait sortir. Oui! Céleste a reçu une promotion. Ah, elle a changé de couleur. Blanc et bleu. Par contre, elle est toujours aussi fatasse. Hein. Des enfants qui ont besoin de toi, peut-être? Pour du pipi? Oui. Bon, elle va manger. Ok, toi, c'est le pot. Elle, c'est Mozza. Posez Mozza. Là, tu vas enseigner le pot à Mozza. Voilà. Alors, elle a été promue au poste d'évaluatrice de restaurant. On gagnera désormais 37 sifflous de plus par heure, 70 sifflous de l'euro total. Avec en bonus 657 simfous et interaction dénigrer le plat. Merveilleux. Mon petit chaton. Amuse-toi. Juste. Non, pas être pour le pot. Tu sais y aller, toi, maintenant. T'es un grand, mon petit Snow. Snow Rainbow. Oh, ils sont toujours autant buggés quand ils marchent. C'est affreux. Allez, la bise à deux, je reviendrai quand vous aurez meilleur goût. Oh, mais Martial! On n'y peut rien, hein. Moi, je suis postiliste, hein. Donc, je connais pas les tendances. J'ai peut-être des goûts de caca. Regarde comment je suis habillée. Ça m'étonnerait pas. Bon, tout a pourri. Allez, hop. Tout poubelle. Toi... Mais...
Ah oui, d'accord. Toujours faim parce que madame, elle a tellement mis 10 ans à se poser dans le canapé que ça a eu le temps de pourrir. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Tu me crois pas? Bah si. Je me sape trop bien. T'es sérieux? C'est pour ça que j'en rachète des nouvelles. Parce que ce que j'ai, c'est pas terrible. Petit chapeau avec le beau manteau. Ah oui, ça. Ouais, mais je mets pas ça tous les jours. Hein. Le chapeau... Pas trop de chapeau. Non, je suis sortie tout à l'heure, c'était avec mon béret. Bah oui, tu as bon goût. Bah oui, ça je sais. En matière d'homme, tu veux dire. La spie en plein milieu d'un carré, quel réalisme. Plein milieu d'un carré? C'est ça que t'appelles le carré? Attends, clac. Hop, on va ranger. D'ailleurs, je peux virer les... Ah! Je veux un sondage! S'il vous plaît. Est-ce que je peux demander un sondage, mon petit chaton? Ma voisine vient de rentrer chez elle, les meubles se déplacent. Ah, super! C'est un automatisme dès qu'elle rentre, les meubles, ils viennent lui dire bonjour, ils viennent lui faire la bise, peut-être. Eh, tu sais pas, elle a peut-être des pouvoirs surnaturels. Non, pas en matière de mec. Ah, merde. Ah, je pensais, tu vois. Voilà, la fille pipi! Quel bonheur! Alors, qu'est-ce que c'est? Oh non! Ça va être bon là! Pourquoi tu chiales pour rien en vrai là? Tu m'expliques? C'était quoi derrière ça? Hey, tu vas jouer! Et tu vas jouer. Maman! Ah, l'autre, elle est. C'est bon. Tu vas enseigner le pot à l'autre. À Feta. Et lui joue. Magnifique. Gagnez-moi ce petit chaton. Qu'il est beau. C'est quoi mon sondage? Savoir qu'est-ce qu'on adopte comme enfant. Si on doit adopter un enfant. Donc est-ce qu'on adopte au stade bébé, stade bambin ou au stade enfant? Ou ado? Je suis pas... Ado, je pense pas qu'on puisse les adopter ado. Mais... Savoir ce que le chat a envie qu'on se comprenne en bébé, bambin ou enfant. Je veux pas qu'elle va plus savoir quel sondage. Eh ben non! Allez, monte tes fesses, toi, là! Non, mais dis donc! Et puis, un deuxième pour la fesse d'à côté. Elle est magnétique. Ça doit être une sorcière. Oh, putain, Marie. Quoi, Marie? Marie? Pourquoi Marie? Je sais que t'es obsédée avec Marie, mais quand même. Oh, Pauline Fougère qui nous appelle depuis sa tombe. Ah, les enfants vont bien! Oh là là! Elle a la faim. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'elle fasse... du bar grillé, tiens. Bon poiscaille. Eh, niveau 8 de la compétence éducation, sans rien faire, on augmente notre éducation, sachant qu'on doit avoir 10 dans sa génération. Plus la cuisine, plus la photo niveau 5. Ça, on l'a déjà, la photo niveau 5, de toute façon. Ah, bah, cuisine niveau 10. Ok. Bon. Écoutez. Elle a pas encore eu à discipliner ses gosses. C'est étonnant. Elle va faire à manger. C'est bon, ça finira toute seule. Là, Janine, faudrait que tu fasses du sport aussi, parce que... T'étais pas sur le PC. Ah, ça y est, le sondage est lancé. N'hésitez pas à répondre sur le chat. Et tant pis pour YouTube, hein. Si vous n'étiez pas là, bah, vous pouvez pas dire votre avis. C'est maintenant, c'est tout de suite pour me dire si vous préférez qu'on adopte un bébé, un bambin ou un enfant. Parce qu'il va falloir qu'on adopte. Malheureusement. Voilà, voilà. Un bébé pour torturer tes oreilles. Ça capte pas bien sous terre. J'hésite pour le sondage. Bah, vous avez encore le temps, hein, un petit peu. À voter, j'ai été gentille pour une fois. Merci, Lilaxel.
Mais toi, si t'es fatigué, fais une sieste, en fait. Voilà. À un moment donné, je sais pas, vous vous compliquez la vie. Rapia, ça pue, là, le pot qui est ouvert. Dégueulasse. Bon, je trouve ça hyper cool qu'il inclue l'adoption dans le challenge. Oui, je pense que c'est fait pour, mais c'est vrai que de base... Moi, j'aime bien avec la génétique, mais ça, je vous l'ai déjà dit des millions de fois, donc... Je trouve ça cool hein, que ce soit possible en vrai, c'est très bien. Hein. Mais j'aime trop la génétique dans les Sims depuis très longtemps, depuis que c'est possible, depuis Sims 2, pour ne pas y les inclure à chaque fois. Surtout sur un challenge long comme ça, avec des générations et tout ça. Je veux que ce soit vraiment une lignée comme ça, on a vraiment tout. Alors je sais, ils sont inclus après dans l'arbre, je crois, mais... Je veux que la génétique parle. Mon Ginette, tu vas aller courir. Moi, ça s'appelle pas Ginette. Ouais. On va mettre un peu plus rapide. Je t'ai pas fait travailler dur, toi. Ah, zut. Pas grave. Voilà, ça joue. Ça joue, ça dort, c'est merveilleux. Ils ont un monde magnifique, ces enfants. C'est vrai qu'il est déjà 20, presque 22 heures. Ah, on va aller loin des gosses, ça va faire du bien. J'ai évidemment vous débambé parce qu'on n'a pas eu les 7 bambins la semaine dernière. Sûrement que ce sera ce vendredi. Peut-être qu'il y aura un Red Bull à adopter, peut-être. Tu dois adopter à quel moment? Car là, avec 3 bambins, c'est chaud. Que veux-tu que je te dise? En plus, on n'a pas la place. Enfin, on a un placard, hein, donc il pourra toujours aller dormir dedans. Vladi, comment vas-tu mon château? Tu es beau, tu fais ça que ça. Allez, va manger ta carpe. Qui c'est qui chiale là-dedans? Oh non, Jamie, commence par venir. Dis bonjour à YouTube. Eh, tu dis bonjour à YouTube? Sois un peu poli. Hein, petit con? Ouais, t'as pas voulu que je t'attrape tout à l'heure, hein, quand tu faisais les conneries. Ah non, là c'est... Ah, oh, oui, maman, je vais être dans tes bras. Mais pas quand je fais des conneries. Voilà. Comment ne pas se faire respecter par son chat? Je te dérange? Ça se passe comment? Ça va? Tu veux que je m'en aille aussi? Tu veux récupérer la chaise? Tu la récupéreras demain. C'est le challenge du jeune couple qui me manque perso. Les amoureux maudits, ouais. Mais la vie, c'est pas que des enfants génétiques, donc j'aime bien. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais on est dans les Sims. On peut tout faire. On peut même faire crac-crac avec des aliens et des vampires et tutti quanti. C'est quand même merveilleux, cette histoire aussi. Alors, tu vas aller voir ton fils un petit peu, tu vas l'enlacer, tout ça. Oh, vous êtes mignons, vous avez voté pour 48% pour un enfant. Ça, ça fait plaisir. J'en ferai bien les amoureux maudits après les 7 bambins vendredi, qu'en penses-tu? Bah, j'avais prévu Medieval Dynasty, donc après, je sais pas. On peut y faire un petit saut d'une heure, une heure et demie, ouais. On peut faire trois trucs à la vendredi soir. C'est fou. Fallait jamais, j'ai une notification dans mon jeu. Oula. Oula, il est en train de vouloir le tuer. Ah non. Il écoute la question de Snow. Qu'est-ce que t'as posé comme question, toi? Dire n'importe quoi. On fait gaffe, hein. Il va tuer son fils, lui. Va prendre une douche. Oh, mais c'est quoi, ça? Pourquoi il casse ses toilettes, ici? Toi, tu fais quoi? Va courir, va courir. Eh ben, elle ira se coucher, fatiguée, va dormir. Oh là, suffit, oui. C'est quoi ces gosses, là? Ils sont fatigués, ils vont dormir. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à midi à 14 poils? Comme eux-mêmes. Pardon. Euh...
Bon, je savais, il y avait trois enfants, c'était ma famille de vampires, je me suis un peu inquiétée. Ah, et alors, ils sont morts, tes vampires ? Les vampires avaient besoin de sang frais pour manger. Ah ouais, puis le temps que ça grandisse et que ça sache se défendre, t'es tranquille un moment, hein. C'est ça qui est bien. T'as pas voté enfant. Moi, je suis pas gentille. D'accord, c'est bien. Qui a été gentil ou pas gentil ? Ça fait longtemps, les amoureux maudits. Oui, je sais, ouais. Je sais bien. C'était... Bah, j'avais prévu ça la semaine pro, mais... Bah, malheureusement, c'est la semaine dernière, j'ai été convidée, donc forcément, ça a remis un peu les plans. Voilà. Donc, je m'étais dit que oui, que la semaine prochaine, ce serait effectivement les amoureux maudits. À moins que vous voulez avancer. Ah, bah, attends, tu vas aller manger, toi. Vous voulez avancer et que vous voulez. Comme eux-mêmes. Moi, j'étais gentille. Merci, Fanny. Garde la semaine pro, suis ton planning. Très bien. Bah, de toute façon, après, justement, j'essaye de faire un planning. On va essayer de faire ça. Je dis pas que toutes les semaines je vais y arriver, mais on va essayer de se faire ça. Que je partagerai sur Twitter et Insta. N'hésitez pas. D'ailleurs, à me follow hein, sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, ça fait plaisir. J'ai voté enfant car je pense à mes oreilles. Super. Bah ouais, enfant. Bon, il dormira sur le canapé. Non, en vrai, il y a de la place encore ici. Bon, ça fera trois gamins dans la même pièce, mais c'est pas grave. Je veux bien un deuxième sondage, si tu veux bien, mon petit Martialoux. Et Facebook. Oui, mais Facebook, c'est avec Instagram, ça, ils vont le voir. Voter enfant aussi, j'ai peur que t'as tout empire à crier. Moi aussi, gentil comme d'hab. Ah, vous êtes adorables pour la plupart. Pour certains, je dirais pas, mais... Travaille trop. Oh mon bichon. C'est pour savoir si on prend un garçon ou une fille, tout simplement. Après le fait que ce soit le stade enfant, ben ça, c'est garçon ou fille. Par contre, elle a pas perdu de poids, mais c'est pas grave. On fera avec son gras. Hop, dodo. Toi, dodo également. Et lui, après manger, dodo aussi. Alors, si vous choisissez un garçon pour faire équitable. Bah, il faudrait que je le mette là. Il y a moyen, hein. Il y a moyen, mais c'est un peu plus petit, quoi. C'est vous qui me dites, garçon, fille. Tu m'exploites comme chez Chine. Où est-ce qu'il y a plutôt? Bah, non, mais oh, je veux savoir. Salut, petit cœur, comment vas-tu? Comme ça, on vote avec les têtes. Bah, on fera avec les têtes. Pour jouer à la manif du bachelor, j'ai été chaude comme la braise. Oh là là. Il a pas fini sa bouffe. Il galère toujours à marcher, quand même, le petit. Il n'est pas... Hop, je mets sur pause, je sauvegarde. Ça évitera que si le PC plante, on perde tout. Ah oui, superposé, j'ai oublié. J'avais zappé. J'avais oublié que ça existait, dis donc. Je les utilise pas assez souvent. C'est déjà le matin ? Mais... Bah non, pourquoi ? Oh, mais il a fait un cauchemar. Oh ! Snow. Oh, poussière, le retour. Allez, pleure un coup, toi, dans le lit. Ça va te soulager. Alors, il se pleure parce que c'est toujours le papy qui est mort, hein, qui fait que... Voilà. C'est triste. Alors, quel sexe c'est à vous de choisir dans le chat? Entre un garçon et une fille, pour l'instant, il y a une tendance garçon qui se dessine. Il n'y a que fille dans le sondage? Ah. T'en as... J'ai pas vu. J'ai arrêté de déjouer, vraiment, je leur fais souffler les bougies direct. Ah ouais, carrément. Qui c'est qui est mort? Elsa Lover. Oh, on s'en fiche. Oh non, mais ils vont être trop tristes. Non, ça va. Non, ça va.
Alors, mon petit chat, tu peux jeter ça? Tu peux passer l'aspi? Je crois que t'as déjà un aspirateur, toi. Ah, vas-y, tu vas passer l'aspirateur. Lui, non, tu vas sûrement pas réveiller ta mère. Je te le dis tout de suite. Oh! Petit caca! Voilà, il fait petit caca, il a dit. Voilà, tu vas t'amuser comme un grand garçon que tu es. Mais moi, je le vois, le truc. N'hésitez pas à refresh si vous voyez pas correctement le sondage. Coucou Gigi, comment vas-tu? Au début, j'ai eu que fille. Le sondage, tu sais, où il y a que fille, tu sais, t'es obligé de dire 100%. Non, binaire, ça va. Oh la vache, oh là là. Oui, bah écoute, ça n'existe pas encore dans les Sims. Hein. Je suis désolée, je voudrais bien, mais moi je suis ouverte, hein, je veux bien, mais c'est dans les Sims, c'est pas encore dispo. Ah, la poubelle est dégueulasse. Tu vas servir le petit déjeuner des pancakes. S'il te plaît. Ouais, bon, John, il vous dit, ça sert à rien, on s'en fiche. Mais bon. On a quand même perdu un peu de poids, je trouve. Et donc, ce sera un garçon à 69%. Très bien. Mais ça va, Gigi, merci. Et vous pensez qu'ils vont venir les amener, qu'on peut se faire comme les chiens et les chats, qu'on en choisit deux ou trois et qu'ils les ramènent dans les cages, qu'on choisisse? Oh, vas-y, ça pourrait être drôle. On dirait l'exorciste. Regardez. Il joue, mais il regarde ailleurs. Ah, mais t'es flippant. Oh, par contre, il est mignon. Il a une petite tête, quand même. Une bonne petite bouille. Mais c'est un peu l'exorciste, quand même. Ah, maman, elle va manger. tu vas te prendre l'orage, toi. Viens. Viens regarder la télé, je sens que ça va pas... Ouais. Enfin, tu vas prendre l'orage, tu vas te prendre la foudre. C'est pas trop ce qu'on veut. C'est les cigognes. Non, c'est les Sims qui se déplacent, tu peux en choisir qu'un. Et ça, c'est un gros bug des Sims en ce moment, toute leur action. Ils les font en regardant rien. Ouais, j'ai remarqué. Que t'as, toi? T'aimes pas le sport? Mais pourquoi tu regardes la chaîne de sport? Je t'ai pas demandé. Ah, c'est le réveillon du jour de l'an! Oh, ils vont faire chouchoubi! Ils vont chouchoubiter! Pour nous faire plaisir. Parce que nous aussi, on va chouchoubiter, les gosses. Alors, vous pouvez venir vous lever, les enfants, parce que là, c'est l'heure du petit-déj. Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a? Attends, à peine elle ouvre les yeux, elle est déjà en train de chouiner, là. Oh! Je vous jure, je suis pas faite pour ça. Je ne suis pas faite pour ça. Douda, douda, mozzarella a très faim. Oh, douda day. On peut en choisir plusieurs des animaux pour comparer, je savais même pas. Si, mais si, il t'en ramène plusieurs. Elle va nous faire une Agnès à la dentelle. Je conçois sans bébé, la deuxième grossesse, elle m'avait fait des triplés. Oh la vache. Franchement, si je voulais juste des vues, je le ferais, elle, sans bébé. Ça marche. Ça fait 10 ans que le machin il existe, ça fait 10 ans que les gens le font, ça fait 10 ans que les gens cliquent. Je devrais faire un faux sans bébé. On va tenter, hein. Alors, non, pas jouer seul à pied, tu vas y courir direct. Elle va courir. Je pense qu'elle va se la prendre, la foudre, mais... Bah, elle a bien perdu. C'est bien, tant mieux. Manque de confiance. Ah bah, pire, c'est qu'elle t'a trompé, hein. Eh, il s'en est pas rendu compte, hein, qu'elle avait été butinée ailleurs. Je vous laisse, les amis. Go dodo. À bientôt et merci pour ce bout de livre. Des bisous, Paulinette.
Ah, bien sale. En fait, tu n'as jamais mis d'animaux dans la famille, car au début, tu as dit que si les viewers voulaient, tu en mettrais. Ça fait... Tu ferais pas ça pour la dernière génération. Alors, en fait, souvent, si je mets pas d'animaux, c'est parce que les animaux prennent une place dans le foyer et que quand j'en ai besoin pour faire d'autres enfants, machin, quand c'est un truc générationnel. Après, là, bon, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal ces derniers temps parce que un animal qui meurt dans les Sims, moi, ça me rappelle Dex, donc c'est compliqué. Voilà. Je pense qu'il faut, le temps aussi que ça cicatrise, ce genre de choses. Mais si il ne meurt pas devant moi, ça devrait aller. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec les poules et tout, là. Ça n'a pas été... Non. C'est pas possible. Tu nous fais un sans bébé, t'as pas d'adoum. Bah oui. Ouais, mais il faut trouver un truc. Ou alors, le challenge est sans bébé. Et je prends un Sims qui va prendre des photos de sans bébé. Bah quoi? Après, je les affiche chez lui? Non? Ça marche pas? Mais comment tu peux être crevé comme ça? Ah, c'est mignon, mais tu vas aller laver ton fils. Comme ça, après, il va aller dormir. Arrête de jouer avec la feta, là. On joue pas avec la nourriture, Vlad. Comme Brandy, on l'a pas vu. Non, c'est ça, c'est très bien pour moi. Je préfère. Des bisous, Paulinette. Un peu pervers, ça, pédophile aussi, non? Maintenant que tu chasses, ça ira. J'avoue. Oh! What? Oh, c'est tombé pas loin, là! Oh, mais elle va se la prendre, hein. Elle a retrouvé un petit cul, là, ça y est. Elle a retrouvé un petit cul. Mais non! Mais... J'ai jamais demandé à ce que tu le foutes au lit. Je t'ai demandé de le... De... Ah! J'ai pu parler. Oh, ces Sims qui font leur vie, là. Qui respectent pas ce que je demande. Eh, si je joue au jeu, c'est parce que je veux être la chef, d'accord? Ah non, mais c'est bon, là. Casse-bonbon, un peu. Ah, y a les... Maman, je vais aller au pot! Bon, Céleste, rentre! Qu'est-ce que tu fais? Laisse-le tranquille. Et là, tu vas même pas le coucher au bon endroit. Son lit, c'est ici. Bah, c'est fait dessus aussi. Les 7 bambins, le retour. Je ne voulais pas y aller, mais c'est pas grave. Le jeu me contraint quand même à le faire. Changer la couche. Allez, hop. Et changer la couche. Changer la couche, ça me fait pas peur. Mais ça, je l'ai déjà chanté tout à l'heure. C'est pour la rime. J'ai déjà fait. Ce bug est casse-couille. Oui. Je confirme. Il y en a plein qui se plaignent des interactions comme ça avec les bambins qui sont complètement what the fuck. Et ils perdent un temps fou à se déplacer, pour s'asseoir, pour poser la question, les machins. C'est vrai que c'est insupportable. Et bah voilà. Toi, je t'avais juste demandé de marcher et d'aller dans ton lit. Tu vas pas me dire depuis tout à l'heure que t'avais pas le temps d'y aller.
quel enfer. Et du coup, elle fait absolument pas ce que je lui ai demandé, évidemment. Aïe, 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 c'est pas vrai. Oh, vous êtes sûr, les 7 bambins, ils sont là, hein. Il y en a déjà 3, il y a déjà la moitié, là. Supportable. Heureusement que tu connais pas le caca tonique. Hein? Hein? Caca tonique? Je suis pas sûre de savoir ce que... Je suis pas sûre de savoir ce que... Voilà. T'as compris? Vas-y, Vlad, tu vas aller nager un peu. Faut te faire trouver des biscottos, là. Oh, bah Nila, je l'avais pas vue. Bébou, Nila? Bébou? On a toujours... bah non. Oh la vache. Oh, il y en a, ils font peur. Hein. Oh. Bon, il faut que je les marie. Hein. Faut que je les marie, là. Tu connais son mec ou pas? Oui, appelle-le. Discuter. On va les marier. Ah, ah, ça m'a cramé mon truc. Ça va, 65, 66, on est pas loin. Ah, le mot caca, c'est juron, hein. C'est modéré, le mot caca, maintenant. Je vais noyer les enfants. Oh, je voulais dire les coucher. C'est les bébés à l'été, ils font pas son caca, mais quand ça sort, ça va jusqu'en haut du dos. Ah oui, 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 si, oui, il me semble que oui. Ah oui, merde, mais je voulais que ta sœur, elle vienne là. Appelle-la. On va les marier. Oh, les filles se sont fait caler. C'est tonton. Ordonnez à Sean de faire le ménage. T'es, tu pues ma cocotte, wesh. Tu vas être lavé un peu. Pardon, j'ai sorti le wesh. Le fameux wesh permanent, évidemment. Et l'odeur du... Ah non, mais pas... Please, please, please. Je vais vomir. Mais quoi encore? Oh nana, papy. Regardez. Elle dit... Oh, c'est mon amoureux. Oh, salut chérie. Ah non, je suis triste, finalement. Alors, peut-être commencer... Ah oui, alors je suis pas avec la bonne. Alors, commande du Sims. On va essayer de pas remettre les sœurs en couple, hein, comme on a fait la dernière fois. Ce serait dommage. MC contrôle. Ah, voilà. Amour. Propose un massage, vas-y. C'est pas incroyable non plus. Hein. Ok, on s'en fout. MC contrôle. Nila. Interaction principale. Oh! Se marier immédiatement! Oh! Oui! Ils étaient fiancés? J'attends, je sais pas si ça... Hey, mais va te laver en fait. Crimbo Darfy Bree. Hey, ça marche pas. Bon, ça marche pas. Mais qu'est-ce c'est pourquoi? MC contrôle. Nila. Principal. Prévoir un mariage. Alors dans ce cas-là. Je sais pas, mais mariez-vous, faites quelque chose, quoi.
Des bisous, Alexia. Bonne soirée à toi. Souvenir. Ah non, j'ai pas envie de lire ça. Je suis désolée. Bon, ça marche pas trop, hein. Parce que MC Control, Sean, amour. Mais elle a pas amour. Enfin, je veux dire. Ah vas-y, va lui offrir le cochon de Charlotte, ça va peut-être lui provoquer des envies. Cochon, tout ça. Ils sont peut-être plus amoureux, hein, moi je sais plus. Hein. Bon, elle en peut plus. Hein. C'est l'amour toujours. Hein. Contrôle, Sean. Se marier immédiatement avec... Je pense pas que ça marche. Non, ça va pas marcher. Ça ne marche pas. Une relation. Ajouter une relation avec les Sims sur le terrain. Nila. Ça marche pas. Pourquoi ça ne marche plus? Code de triche. Triche les informations. Bah non, vraiment. Comme c'est grossesse. Bon bah je vais juste faire la grossesse. Hein. Oh si, il lui offre une rose. Oh, c'est mignon. Allez, on va te mettre en cloque là, début de la grossesse. S'il est pas dans la liste, franchement je rigole. Hein, parce que tu dis, il est quand même juste là sous notre pif. Il est pas là, non mais sérieux. De quoi votre truc, bon sang? Mais c'est pas possible! Pourquoi ça marche pas? Ça marche! Bah, il a fallu que je crie un petit peu, c'est bon. Pas marché. Nila se marie devant nous. Oui. Oh oui. Mais mec, pourquoi tu me fais peur? C'est un peu buggé quand même, hein. Mais arrête de chouiner, l'autre, là. Ah, standing ovation, là, pour les amoureux, là. C'est bon? Conjoint aucun. La, c'est rigolo. Alors ça marche pas. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. C'est vraiment n'importe quoi. Bon bah quand même. Je sais pas, les ken quelque part, les enfants là. Ça vous dit pas, on a des placards. Hein. On a un placard pour ça si vous voulez. Voilà, regarde, il dit, tu ne veux pas faire un bébé. Parce que lui, il est mes conjoints zéro, hein. Conjoint zéro, bah, je sais pas. Écoutez, on va les laisser faire leur life, hein. Bon, ils sont love quand même, là, ça se voit, non? Oh là là, les filles. Bon, maman, arrête ta télé. Alors, tu vas en mettre une sur le pot ici. Mozza, papa, il est rentré, j'ai même pas fait gaffe. Il va en mettre une autre sur le pot ici. Hop, Feta. Allez, c'est parti pour le pot, pour les girls.
Maman. Ah, c'est pas possible, toi. C'est pas possible. Pourquoi elle a annulé l'action, c'est pas... Tu peux pas lui suggérer d'agrandir la famille. Comment on fait? Nickel. Je peux recommander un lieu? Oh purée, mais j'en ai marre! Mais tu vas faire ce que je te demande, oui ou bon sang de bonsoir là-haut? Bah ton mari, il a pas chouiné, lui il fait ce que je lui demande. Bon bah il s'est barré. Il a Rainbow. C'est pas à partir de ça qu'on peut faire? Oh, j'ai oublié, c'était le jour de l'an, dit. C'est Chouchoubi. Ah, demander. Ah oui, d'accord, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Ok. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça. C'est assez... Comme c'est nouveau, bon bah... Se vanter de sa famille. Tiens, on va se vanter, tu vas te vanter de ta famille. Ça donnera peut-être ta vie à ta sœur de remettre ce couvert. Normalement, elle en a déjà un d'enfant. Ah bah non. Ça n'a pas marché. En fait, on les a jamais eu d'enfant. Ajouter à ton foyer juste dans les mariés. C'est pas grave, après, ils auront pas d'enfants et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Souffler dans les trompettes. Mais c'est pas possible, il me casse tout, mais il me casse toujours les choses. Hein. Qu'est-ce qu'elle a à chialer encore, elle? T'es fatiguée, bah va dormir, écoute, fous-nous la paix. C'est une sacrée trompette, ça. Servir dîner. Grand repas, on va prendre du jambon. Pas mal ça, jambon. Allez, va faire à manger. Toi, tu vas vider, tu vas jeter, tu vas nettoyer. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle va aller jouer. Oh, mais elle a la faim aussi, donc c'est pour ça que je veux faire à bouffer avant. Si tu as une arche, tu peux pas les marier. Bah non, je les contrôle plus. Le mariage à Choubit, ce serait bien. Pour la nouvelle année Sims. C'est si drôle que ça? Ouais. Monde d'alcoolique, là. Je vous vois, les Sims. Hein. Vous buvez de l'alcool. C'est pas bien. Ah. Eh bien, tu cries et puis tu as réveillé ton frère. Bravo, c'est intelligent ça, mademoiselle. Lui, il fait pas la moitié de ce que je lui ai demandé. Si? Non? Ah oui, c'est ça, parce que tu peux pas. Bah, va sticker le pot. Mais arrête de gueuler, toi, je t'ai dit! Ah! Quel bonheur, les bambins! Mais toi, tu vas te bouger ton vieux fiac ou quoi, là? Eh ben, alléluia! Nettoie, homme, bien sûr! Tu as de la place dans ton foyer, on est lourd. Tu as de la place dans ton foyer, on est lourd. Hein? Ah oui! Oh non, mais c'est pour l'instant, non. Choupa!
Je suis pas mariée, Janine. C'était l'autre truc que j'aurais dû faire. Utiliser Simaxty pour la génération des grossesses. Avec Céleste. Tu veux faire après la relation d'amour entre les sœurs? Est-ce qu'on referait pas un enfant à elles deux en même temps là? C'est horrible. Vous êtes horrible. Ça fait pas perdre la voix le Covid. Si, mais j'ai récupéré. Quand même. Des bébés. Bah écoutez. C'est dégueulasse. Elle les fera de son côté, hein, les bébés. Hein. Enfin, pas du mien. Heureusement, j'ai baissé le son de l'ordi. Chouchoubi! Ah oui, il est 23h30. Chouchoubi! Chouchoubi! C'est Chouchoubi! 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 Attention! Allez, là, Chouchoubi, là! Ouais! Ouh! Chouchoubi! Allez, on se casse! Magnifique! Voilà! C'était la nouvelle année! C'est la nouvelle année. Mais pourquoi tu... Non, je veux pas que tu bois ça. Après, tu pisses, Jean-Claude. Hop, toi, tu viens manger ça. Toi, tu viens manger ça. Et toi, Alors, on va voir hein, si on peut lui suggérer des choses à la sœur. Tu vas chanter une chanson de jour férié à ta sœur? Raconter des ragales. Ah, t'as sorti la petite... le petit cocktail. Anemi, peace to my... Vas-y, fais le métier de tes rêves. Donner des conseils d'éducation, mais elle a pas de gosse. Partager ses pensées mélancoliques. Ah, tais-toi, toi, tu pues. Tu pues. Chouril. It's a rack. Allez, hop. Il y en a une qui s'est pas levée, alors que je lui ai dit de venir. Non, c'est bon, c'est elle. Oh non, je me suis trompée. Je me suis trompée de fille. Ah. Oh, elle est mignonne. Vas-y, je vais en faire ma miniature. J'ai faim! C'était elle. Ah, ça y est. Du coup, il n'y a plus rien qui va. Ah, bah, elle a fini de manger. Allez hop. Au lit! Tu te fais quoi, ta soeur? Attends, tu vas partager des attitudes de chim sociable. Tu peux pas lui dire de faire des gosses, non? Tant pis, sinon on va commencer à... Ah, j'ai envie de dire, tu vois. Ah! Discuter de l'idée d'agrandir à la famille. Une couche. Tu penses bien, ma petite Nila. Tu sais, nous on a déjà 3 gamins. Hein. Ça me fait plaisir que tu en parles, Céleste. Je me disais la même chose. Laisse-moi en discuter avec Sean et je te tiendrai au courant. Ah!
merci pour votre idée, les enfants. Ça fait plaisir. Et toi, tu peux aller aux toilettes et puis tu vas aller dormir. Bon, ça doit être super. Le nouvel an sans feu d'artifice à Paris. J'en sais rien. Je crois que je l'ai jamais fait. Alcoolique, va. Ma pizza. Pourquoi? Oh, va te coucher, Sean. Vlad. Oh là 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 là, c'est pas possible. Il reste trois plombs devant la dans la cuvette. Mais qu'est-ce qu'il veut lui aussi? Aïe aïe aïe. C'est pas possible, ça, hein? On a marre, hein? C'est quoi ces thugs là? C'est pas des sims, c'est des thugs. Salut Aurélien, bienvenue à toi. Tu discutais la grande et la famille, je l'ai vu. Oui, 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 ça y est, c'est bon. À voir. Alors, ce que Nila trouve à cette idée. T'as bu un verre de champ et ça t'a fait de l'effet? Bon, je vais laisser la bouffe là. Non, arrêtez de vouloir vous occuper des gosses! Va te coucher! Elle, elle est fatiguée, elle va au lit. Déjà, t'as même pas fini de bouffer ton assiette, vu comme t'as encore la dalle. Ah, je vous jure. Il muse. Tu grandis quand, toi? 0 jours, allez, ça... Ah, tant mieux. On va t'adopter ton jumeau. Ça fera du bien. Vas-y, Nila, effectivement, t'as bouffé là et là, mais c'est pas grave, va se vendre dans le frigo. Tu sais quoi? Casse-toi. Allez. Prends ta corvette et entre chez toi. Qui c'est qui se réveille? Tu te fous de ma gueule? Tu viens d'aller au lit? Mais dans quel monde? Tu veux retourner au lit? Bah oui, mais pourquoi tu te lèves en fait? Je viens de... Vas-y. J'ai même pas envie de chercher à comprendre. Pour m'énerver. Je vous le dis, je vais pas m'énerver. Ah, c'est soirée Netflix. Ça date de la génération grise. Prends-nous, t'auras la paix. On va la foutre au frigo, oui. J'ai toujours pas enlevé la soirée Netflix, hein. C'est dingue. Génération grise. Nunu, tu es toujours là dans notre cœur. Ouais, et hop, dormir. Alléluia. J'avais enregistré, je sais plus. Je vais réenregistrer. Ah, Vlad est content. Il a oublié papy, mamie et tutti quanti. Ah, faut qu'il... J'ai oublié qu'il était glouton. Il est gros dégueulasse. Tu es un gros dégueulasse, mon petit. Et toi, ma biche, bah écoute, tu vas bien, tu vas sûrement pas boire un verre de jus d'orange, c'est très mauvais pour la ligne. Le haut matin. Et pas que pour la ligne d'ailleurs. Profite, y'a pas de gosse. Tu. Hop, c'est parti. Regardez-moi cette taille de guêpe qui revient là. Ça fait plaisir. Toi aussi, tu vas étaler ta guêpe. Hein. Et hop, il y en a jusque-là. Tu vas tailler ta guêpe. Oui, oui. Dimanche, travaille, travaille pas. Elle travaille pas. Bon, bah, on va adopter alors. Hein.
vu que lui va devenir enfant, bah il aura son grand frère. Puis voilà. Tranquille. Bah, il est pas dodu, non, mais c'est pas pour récupérer des pecs. Pour les beaux petits muscles qu'il avait quand il est arrivé dans le foyer. C'est juste pour le plaisir des yeux. Snow a très faim, mais Snow, il y a à bouffer sur le comptoir. Non, il n'y en a plus. Snow, il y a à bouffer sur le comptoir. D'où tu viens ouvrir ta tronche? Ah bah il court lui, hein, maintenant. Oh, il est dodu, hein. C'est dodu, Alpha Yed. Oh, la ref. Ah oui, regardez-moi ça. Jolie ligne. Qu'est-ce que... Ah mais on nous avait donné de la bouffe. Un bouffe, gaffe. Tu bosses pas, n'importe quoi. Tu vas aller prendre une douche. Tu vas faire un micro-pips. Il reste un truc à manger, tu vas te le prendre. Et ensuite, on va aller adopter un enfant. Oui, bah écoutez, pourquoi pas ça... Elle a été voir sur internet, elle s'est dit alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui que je peux... Oh, un enfant. Bah oui, pourquoi pas, au final. C'est où? Ah, c'est dans le foyer. Adopter. Alors, est-ce que je prends un chien? Est-ce que je prends un chat? Ah non, faut adopter un gamin. C'est triste quand même d'être... Genre t'es sur internet et tu commandes comme si tu commandais un pull sur Shein quoi. Ou ailleurs, je sais pas. Paire de pompes sur Amazon. Un petit colis Amazon, tu vois, est-ce qu'il arrive avec des trous dans le carton au moins pour respirer ce gamin? On sait pas. Ce serait dommage. Qu'il s'étouffe. Avec des petits trucs en plastique. Un dans chaque narine et il sait plus. Hein. Il y a Lisa et Lisa. Alors, oh bah disons, il y en a, ils ont des sacrés bouquins, la vache. Nous avons Samuel, Théo et Thomas. Est-ce qu'on a... Ils sont castrés, ils sont... Non, on sait pas. Eh bah dis, c'est... Alors, ils sont tous moches. Sachez-le. Je pense que Thomas, il est encore pire que les autres. Théo, bon, il a pas l'air terrible non plus. Et Samuel... Il a les cheveux jaunes pisse. Et les yeux marrons. De toute façon, ils sont tous les trois les yeux marrons. On va voir si l'offre va être renouvelée. Hein, on va juste... Je vais attendre. Voir si c'est encore les mêmes, si c'en est l'autre. Ah. Au pire, tu modifies. Oui, oui, mais bon, l'essentiel, c'est de pas trop modifier la tronche de l'enfant, quoi. Que ce soit les enfants génétiques ou pas. Mais. J'avoue que là, les adopter vont forcément être moches. Hein. On change les yeux, c'est pas grave. Ah non, ça y a pas de bol, hein. Ok, bon, et eh ben écoutez. Sondage. Avec plein de mousse dedans, comme les livreurs, j'ai de les colis par le portail. Bah, c'est ça, hein. Il faut pas que ça soit dans le pif, parce que... Sondage, hein, Samuel, Théo ou Thomas. Oh, la vache. Faut l'air très gâté par la nature, ce pauvre gosse. C'est pour ça qu'ils ont peut-être été abandonnés. Hein. Oh, on rigole, hein, c'est de l'humour, hein. Noir, mais c'est de l'humour. Et merci beaucoup, Orlan et Choco, pour ton follow. Et ou votre follow, je ne sais pas. Merci beaucoup et bienvenue. Bien sûr, je ne parle pas des gens abandonnés dans la vraie vie. C'est parti pour le sondage. On va voir si l'offre est renouvelée, tu m'as tué. Bah écoute, on sait pas, hein. Des fois tu...
selon l'heure à laquelle tu te connectes, il y a peut-être d'autres machins qui te... Tu vois, ça, c'est peut-être déjà parti aux enchères, hein, on sait pas. Hein. Là, peut-être t'as quelqu'un qui est venu, qui s'est servi sur le rein, sur le poumon, et puis il a laissé le reste pour les autres. Hein. C'est pas trop. C'est toujours... Voilà. En tout cas, le sondage est lancé, n'hésitez pas à voter, savoir lequel vous intéresse entre Samuel aux cheveux de pipi qui nous rappellera notre cher Pulco, Théo qui ressemble à rien, en plus j'aime pas le prénom donc bah on changera, et Thomas qui est encore pire et voilà. Je sais pas quoi dire. Ils sont pas terribles ces gosses. Là. Et vous, YouTube, vous prendriez lequel, en vrai, hein? Franchement. À la limite, les filles, bon, il y a un peu plus... ouais. Dans les bambins, il y avait un enfant à la peau rouge. Ça, on n'en a pas assez. En fait, c'est marrant, je savais pas que c'était genre deux bébés, deux bambins et trois enfants de chaque sexe. J'aurais pas... Courage pour les votes. Ah bah il y en a un qui sort du lot déjà. J'en vois un. Et je vous donne un indice, c'est un garçon. Ouais, je sais, c'est... On s'y attendait pas. Il vous reste quelques secondes pour voter, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et en plus de ça, bah, vous vous exprimez. Et comme ça, vous pourrez pas dire « Ah, on m'a pas écouté !» Après, bien sûr, c'est toujours à la majorité. Donc, il se peut que la majorité ne soit pas la vôtre. C'est souvent, bah, c'est le cas, hein, dans l'heure des ladies, j'ai « Ah, bah, je suis déçue, j'ai pas voté pour celui-là comme personnage. » Désolée. Bah, en même temps, je me dis, je pourrais très bien décevoir aussi en choisissant moi-même, donc je préfère en faire encore faire voter les abonnés, comme ça c'est bon, moi qui choisis, j'ai pas cette responsabilité. Je dis bah tu vois avec les abonnés, hein, c'est pas moi. Waouh, hein. Ouais, je sais, ouais. Ah, c'est un garçon qui gagne, de ouf. Et le garçon, c'est Théo à 50% des votes contre 27 et 23. Samuel en a le moins et Thomas en avait un peu plus. Ah bah Théo. Oh purée, j'espère qu'il sera pas trop laid. On sera obligé de déteindre les cheveux, hein. Ah! Je pensais que c'est lui qui allait venir. Je me dis, mais il est où? Là, je pensais pas qu'elle allait aller le chercher. Donc, colis Amazon, mais pas trop. Il se déplace pas, quoi. Enfin. T'es content, Vladi? Tu vas avoir un nouveau garçon? Ouais, mais. Allez, viens nager ici. Puis tu nageras tout court, d'ailleurs. On peut l'appeler Martial si tu veux. Des bisous, Marie! Bonne soirée à toi. Ah, il doit aller au boulot, il s'habille en chemise. N'importe quoi, il s'est changé dans l'eau. Mais qu'est-ce qui... Mais ça va, ils vont pas bien, hein, ici. Ils sont pas nets, hein, dans leur tête. Hein. Mais frère, faudrait que tu choisisses. Pourquoi? Céleste ramène un nouveau membre dans la famille. C'est mignon, la petite musique. Alors, on va l'appeler comment? Vous avez pas de goût? Alors, on l'appelle comment, les enfants? Est-ce que vous avez des idées? Et, ou avec un rapport avec la couleur blanche pour aller avec les frères et sœurs? Moi aussi, je pensais qu'il serait livré dans un carton. Et on sait pas, hein. Ça pourrait être pas mal, hein, en vrai. Marthe White. N'importe quoi.
Albinos Bianco. Whispirt. Whispirt. Flocon. Je sais que tu voulais écrire White Spirit. Tu me fais rire à Whispirt. Et Emmental. Ah, mais c'est pas jaune un peu les Emmental, un petit peu. Tipex. Oh, ça va me donner faim, j'ai faim. Milk. Non, nuage, ça a déjà été pris avec la génération grise. Ça remonte un petit peu, mais on avait nuage. Parce que nuage, c'est un peu gris. Bah ouais, ça peut être blanc aussi, tu me dis, j'avoue. Détergent. Chevroux. Babybel. C'est reparti sur le fromage. Là, on est sur du fromage qui baigne dans du jus, hein, les filles. Hein, mozzarella et feta, on était là-dessus, hein. Bah, et le premier, c'est Snow. Ange. Philadelphia. le premier, c'est Snow, le garçon. Est-ce qu'on part dans un délire Snow... Coke. La coke. C'est blanc. Uni-ghost. Pourquoi Uni-ghost? Parce que ghost. A ghost. Kiri. Ah, Kiri, c'est rigolo. Bor. Non, coke, c'est O-K-E, pas coque. Ouais, bon, bah du coup, je veux pas coke, alors. Parce que si c'est la coke, enfin, bref. Voilà, Alaska. C'est pas mal, Alaska. Ça aurait été bien en fils de Iowa. Coco snowboard. Ah, board de snowboard. Ah oui. Ah. Big cock. Oh là 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 là. Mais et ça, par contre, Twitch, il laisse passer, tu vois. C'est bien, tiens. Franchement, c'est intelligent. C'est très intelligent, Twitch. Alaska Jones. Le fils d'Iowa. Ça aurait été cool, ça. Enfin, si, et peut-être qu'Iowa, il aura des enfants avec le Sims du Bachelor, on sait pas. Hein. Alors, moi, je suis modo, j'avoue. Et Kiri, ça m'a fait rire, Kiri. Oh, j'ai faim, ça m'a donné envie de bouffer du fromage. J'ai la dalle. J'ai même pas pris de pain. Faut même pas manger du fromage. Parce que bah, c'est mieux avec du pain, quoi. Mais oh, j'ai pas de pain. Moi, je vais faire ma vie sans pain. Oh, j'ai envie de pain. J'ai envie de fromage aussi. Bigel. C'est quoi, Bigel? Bah, du coup, je sais pas. Qui réécoute en cognier les bronzés en plus. Il me semble... Oh, bah, non. Non, non, je n'irai pas jusque-là. Ah, coton, si, c'est pas mal. Coton. 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 Kiri, c'est bien. J'aime bien Kiri, ça va bien avec ses sœurs. Et ouais, il y a juste Snow qui va pas... qui sera hors... hors... voilà, quoi. Nieve, neige en espagnol. Nieve. Ça, je trouve que ça va plus à une fille. Mon Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Kiri tout court, hein, pas Kirikou. Comme eux-mêmes. Oh, il y en a qu'un. Oh. Maman. Merci, madame, de m'avoir adoptée. Moi qui étais rejetée par mes propres parents. Bon, finalement, il a l'air moins moche que sur la miniature. Oui, il est marron, quoi. Il est taillé, coiffé comme un as de pique. Réputation extraordinaire. C'est un exemple de positivité pour la communauté. Dans son sillage, les Sims esquisseront un geste de la main et un sourire amical. Et sa présence illuminera la journée de tous. On dirait que ça me décrit. Elle peut prendre un congé? Bah non, rien à foutre.
Mozzarella a très faim. Mais ces gamins, ils putent tout le temps, en fait. C'est assez infernal. T'en as pas un qui... Oh, il va faire à bouffer. Il est toujours pas retourné. Il doit aller bosser. Il s'est habillé, il a mis son costard. Allez, va bosser. Oh, il est content. Il a le sourire. Et lui, il se dit, bon, bah, maintenant que je suis là... Le problème, c'est que j'ai pas de chambre. Par contre, si tu peux nous aider à jeter ça, tu seras déjà pas mal. Hein? Tiens. Oh, il peut nettoyer les pots. Mais quel... mais c'est bien, ça, il va nous servir, ce gamin. Hey, tu peux aller sur le pot, cocotte. Bah, vas-y. J'avais pas vu qu'elle pouvait aller sur le pot. L'autre aussi, ou pas? Oh là là, quel bonheur. Ah, plus vite que les 7 bambins. Mince, t'as perdu la Freddy. Merde, tu pensais qu'il y en aurait deux. On dirait un alien. Oh non, pitié, pas ça, j'ai pas vérifié. Non, de toute façon, c'est pas au stade enfant qu'on le sait. Mis à part les yeux, la coupe et la tenue, ça va, c'est pas trop mal, Kiri, j'avoue. Kiri, Kiri, Kiri. Oh, j'ai faim. Le gamin est à peine arrivé, il fait le ménage, tu sais. C'est horrible, cette exploitation. Bon, je sais pas de quoi vous parlez. Maintenant, on va lui mettre un lit. Ou alors, il dort dans le placard, c'est comme il veut. Oh, il a l'air de kiffer l'odeur des poubelles. D'accord, super. Il a quoi comme trait, d'ailleurs, ça me fait penser. Amoureux des chats. C'était le destin. Cet enfant, c'était le destin. Voilà. Kiri, le destin. Magnifique. Les tuiles, ils ont toujours des traits de merde, les gamins, mais voyons, là, on a eu de la chance. Hein. Alors, un petit lit sup. Super posé. Alors, on a de la place nulle part, c'est génial. Et ici? J'étais en train de me douter, je dis mais en fait je peux mettre... Ah oui j'ai ça. Bon, on va le mettre là. Voilà, il a sa chambre avec ses sœurs. Écoutez, on fait ce qu'on fait. N'en fais pas un esclave juste parce qu'il est adopté. Si. C'est pas le sang. C'est pas héritier, tout ça. Moi, vous savez. Hein. Si c'est pas héritier, ça fait le ménage. Hein. C'est un signe. Ah, j'avoue. Bon, chaton, tu vas faire tes devoirs. Hein. Pas du temps. Hein. C'est bizarre, en tout cas, nos gamins sont trop gentils. Éducation. C'est-à-dire, elle a pas encore eu à les réprimander, en fait, pour son aspiration. Zéro fois. Je trouve que c'est pas normal. Par contre, oui, alors toi, j'étais sûrement... Oui, t'es en train de bouffer. J'étais en train de confondre avec celle-là. Elle, eh ben, pipi. Hop, allez. Après, tira au bain. Elle aussi. Et elle a pas fini son assiette. Elle va faire un câlin. Tu peux babiller, tu peux jouer. C'est fou. Les enfants, ils ont des jouets sur eux. Eh ben, ils s'en servent pas pour jouer. 4 enfants, tu connais ma vie maintenant. C'est des amours quand ça se dispute pas. Ça dépend quel âge. Celui va grandir, hein. Fenouza.
Faudrait qu'il fasse des conneries, qu'elle puisse les réprimander. Ils sont trop gentils encore, je trouve. C'est pas normal. J'ai pas humainement normal, ça. Les Sims, ils sont pas comme ça. Vas-y, occupe-toi du nouveau, toi. Allez. Oh, dilemme de chef. S'ennuyant au travail, Vlad tue le temps en surfant sur Internet lorsque son téléphone professionnel sonne. Un interlocuteur paniqué lui explique qu'un gala de célébrité a lieu ce soir, mais que le grand chef qui devait s'occuper de l'événement est malade. Il a donc besoin de quelqu'un pour le remplacer immédiatement. L'employeur de Vlad pourrait tout à fait s'occuper de cette mission, mais Vlad se surprend soudain à rêver de rencontrer des stars. Vlad va-t-il partir plutôt du travail et s'occuper seul de l'événement ou organiser l'événement en passant par son employeur ? S'il s'occupe seul de l'événement, augmentera sa notoriété, gagnera de l'argent et liera une amitié avec une célébrité, mais il sera licencié, ou organiser l'événement en passant par son employeur et il n'y aura aucun changement dans la vie de Vlad. Que fait-on ? Que fait-on ? On s'occupe de l'événement, on organise l'événement en passant par son employeur. Est-ce qu'on devient une star avec de l'argent, mais au chômage, ou est-ce qu'on continue à garder notre taf ? Ah, super, bah, Marcel nous a envoyé un petit sondage, n'hésitez pas à répondre. Pour nous dire le choix que vous voulez pour ce dilemme. Si vous ne voyez pas si vous ne voyez pas le sondage, n'hésitez pas à tout simplement refresh un petit F5 pour rafraîchir la papage, pour que vous puissiez vous voter dans le petit trou. Vous avez vu depuis tout à l'heure, les chats sont calmes. De toute façon, ils passent leur temps à dormir, c'est feignant. Moi, il y en a un qui est calme. À chaque fois qu'il y a un sondage, j'imagine bien la voix de Marcelo qui crie pour nous le dire. Sondage. J'avoue. Mais Martial, je veux que tu m'envoies. Comment on pourra en faire ça? Que tu m'envoies, toi qui dis sondage, que je le mette en alerte vocal, mais qu'il n'y a que les modos qui peuvent avoir, sachant que je peux le faire, ça. Comme ça, bah tu mettras la commande vocale dès qu'il y aura un sondage. Emballer, c'est peser. Allez, bah ouais. Mais grave. Comme hey, ça, bonsoir. Ça pourrait être drôle. Un coucou par ici, depuis le temps. J'espère que ça va bien. Mais ça va bien, au chat, alors. J'espère que toi aussi. Merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement. Gros bisous à toi, Ismaël Ibou. J'espère que tu vas au top. Et ça fait plaisir de te revoir, effectivement. Oui, oui, bah oui. Mais de ouf, comme ça, tu gueuleras pour de vrai. Et tu pourras mettre la commande vocale. Ce que je peux choisir, en fait. Vous savez, les récompenses que vous achetez et tout. Je peux choisir si... ou les commandes, machin. Savoir si... qui peut le mettre, si c'est tout le monde ou que les modos, quoi. Donc... Alors, 55%, vous avez voulu qu'on s'occupe seul de l'événement, donc vous voulez que Vlad se retrouve au chômage. C'est sympa. C'est l'heure du sondage. C'est l'heure du sondage. C'est l'heure du sondage sur Twitch. C'est l'heure du sondage. Voilà. Vedette débutante. Vlad a commencé son chemin vers la célébrité. Il a gagné 87 Simflouz. Il est renvoyé. Après que Miwa était comédienne chevronnée, Miwa Ueda. Ouais, on... Ça en fait des notifs quand même. Voilà. Super. Alors, t'as une copine célèbre ? Miwa. C'est... Ah, célébrité de... quand même, hein. Vas-y, vite là. On voit si t'es vraiment ta pote. Tu vas faire connaissance de ton nouveau fils ? Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller voir son père ! Oh, c'est mignon ! Il est content !
Il l'a jamais vu, mais il sait que c'est son père. Voilà. Là, voilà la star, là. Bah, toi, t'as pas assez d'argent pour t'acheter à manger? Puis t'as assez... T'as assez pour arriver, hein. Ouais, merci, Nila. Et toi, c'est pour quand? Alors, tu vas dire bonjour à elle. Oh, tu t'es fait envoyer bouler. Alors, laquelle des deux pue? Bon. Ben, bain de mousse. Bain de mousse pour mozzarella. Bain de mousse pour mozzarella, j'ai dit. Pourquoi tu m'annules? Je l'ai vu, là, tout de suite, l'annulation, hein. Pas me faire le coup, hein. Petit Snow, il va grandir aussi après le moment. Non ouais, il va grandir après. Enfin, pour tout de suite peut-être. Patty! Mais papa, maman a donné déjà le bain à l'autre fille. Oh là là, que tu es bête, papa. Tu as pas de jugeote. Tu vas réconforter. Tu vas jouer avec elle. Parce que c'est pour s'occuper, cette petite. Quoi, non? Pas grave, on reprend le job. Ah ouais? Ah ouais, vous voulez? Vous voulez quand même qu'on reprend le taf? Oh, la gamine! Ah, ne touche pas! C'est elle qui pue, mais c'est son père qu'elle rejette, tu sais. Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est Mimi, ça. Ça j'aime trop. Ça, mais ça marche à tous les coups. À chaque fois j'aime bien l'animation, je l'aime toujours. À 100% elle marche avec moi celle-là. C'est trop chou. Et après, le gamin, il te gère dessus. Ouais, contente, ça lui a remonté quand même un petit peu le... Maman, ben. Maman, ben. Papa, il discute avec sa nouvelle copine. Et elle, tu peux lui demander de faire des gosses ou comment ça se passe? Ah, pardon. Alors, elle n'est pas mariée. Elle est déjà star, hein. C'est une enfant star, écoutez. Chaga, chaga! Wick, wick! On la connaît tous, cette blague. Ah bah, ils vont, C'était très bien. Demandez à Miwa de faire le métier de ses rêves. Bah oui, mais c'est pas ça qu'on demande. Discuter d'idées d'agrandir la famille, vas-y. Ça marche pas, ça a squeezé, vas-y, le jeu, tu m'énerves, le jeu. T'es pas en train de faire des conneries, toi. C'est bon, on va donner un là. Oh, elle est toute Mimi, celle-là, elle va y manger, nickel. Comment va Snow? Eh, Snow, regarde, t'as un grand frère, j'ai oublié. Viens Kiri, viens jouer Kiri. C'est horrible ce nom. Avant je m'appelais Théo. Puis j'étais adoptée. Ils m'ont appelé Kiri. Comme le fromage. Quelle tristesse. Des bisous Taylanor. Bonne soirée à toi, bien Tal. Bon, on se relookera la semaine prochaine, hein, ce garçon. Oh oh. Ça va être mon anniversaire à moi aussi. Je vais devenir un grand garçon comme toi. Je fais bien les bambins. Je sais. Oh, regardez, ils sont tous blancs, les enfants blancs sont blancs. Qu'est-ce que c'est beau. Ils vont tous bien. Avec du mal, hein. Avec du mal. Ah, et donc.
Enfant préfabriqué, adopte un enfant. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, préfabriqué? Céleste a tout le bonheur de découvrir la parentalité sans les inconvénients de la grossesse. Ouais. T'as quand même fait des trois gosses avant, hein. Ah, mais tu m'étonnes qu'ils soient potes. Elle aussi, elle, c'est une goinfre. Tu feras le ménage aussi, après. Tu dois faire quoi, toi? Bah, il faudrait que... qu'elle... Alors, écoutez, ils sont sages, mais je vais leur faire, de faire des conneries pour qu'elles puissent leur gueuler dessus parce qu'on n'avance pas, ils sont trop sages. Je dis ça, et puis la semaine prochaine, je vais m'en mordre les doigts. Pour qu'elles puissent leur dire « Arrête de faire ça !» Faut que 5 fois hein, pour ça en aspiration, donc... Bon, allez, attends, viens ici, parce que là, le temps que la gamine, elle se décide... Allez, ok, on va mettre le bazar. Ça suffit. On rigole pas de moi. Éducation, discipliner, sévère, hurler. Puis moi, je fais que hurler, en plus. mais tu m'as demandé de le faire. Wapa. Exactement. Nous, on sort le fouet, hein. Éducation, inciter à jouer, ouais, c'est bien. Elle va lui dire. Par contre, 23h, mon biquet, il va falloir aller se coucher. Hein. Et aller aux toilettes. Attendez, on va l'inciter à aller aux toilettes. Je sais pas si ça marche. Éducation, inciter à faire pipi. Mais pas sur le tapis, chaton. Tu fais ça dans la cuvette. Hein. Je sais pas si on t'a appris dans l'orphelinat, s'ils avaient le temps. Non, c'est discipliné, donc ça marchera pas comme ça. C'est bon, il va épicer. Ah, il va faire le coup. Il va mettre la merde. Oh, c'est parfait. Ah, j'ai même pas fait exprès. Discipliné, sévère, hurlé dessus. Saloperie de gosse, tu t'es cru où? Céleste. Céleste. Darky. Allez hop. Et tu vas au lit. Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Elle est horrible. Salut Nadine, comment vas-tu? Ah, lui il est parti se coucher. Non, chaton, viens manger. Profite. Toi aussi, bichette. Hop, manger. Bon, ça pue. Bah, tu iras nettoyer si tu veux. Hein. Mais c'est quoi ce gamin là? On lui offre cette chance d'être adopté dans notre foyer millionnaire, au bord de l'eau. Et lui fait ah, ça pue. Non mais oh! C'est le gosse. Qu'est-ce que c'est que ces gamins? Cette génération n'a plus aucun respect. Ah là là. Elle va faire pipi. Elle va faire pipi, Janine. Eh bien. Ah bah en plus, il a l'air de kiffer le ménage. Tiens, regarde, on va marcher dessus. Je croyais que t'avais mangé, en fait. Visiblement, on paye un truc, moi. Allez, un petit... mettre Kiri au lit, non? On va lever Vlad. Parce que là, je sais pas pourquoi il est parti dormir, alors que... Toi, t'as mangé, tu peux être couché maintenant, chaton. Allez. Elle est au pipi, c'est parfait. Et elle, eh ben elle mange encore. On va laisser manger. Oh, le gros snow. Ah, ah. Vous êtes mort dans le chat. Je sais, vous allez me dire, non, c'est pas vrai, je suis pas mort. Mais non, je suis très nette. Est-ce que vous êtes comme Baptiste?
Je pense que pour le coup, on va s'arrêter là. On va aller coucher, puis Zodo. Ça, la semaine pro, on reprend avec le relooking. Tiens, tu peux aller aux toilettes, là, toi. Le relooking de Kiri. Hein, parce que maintenant, il s'appelle Kiri, ce garçon. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est sur le mur. Ah, c'est ça que tu regardes. Non, parce que là, sur la le truc petit comme ça, moi, je voyais rien. Blanc sur blanc, j'ai dit, mais... Il y a une vieille trace dans une bulle. Et merci beaucoup, Jibiloti, pour ton follow. Bienvenue à toi. Il grandit qu'en snow, je pense que ce sera pour la semaine pro. Ah, il clignote. Bah, écoutez, on va faire... Non, non, on va faire le gâtal. Comme ça. Comme ça. Il grandit maintenant et on relookera les deux la semaine pro. Ouais, non, nous, 2h du matin, c'est le bon timing pour faire un gâteau. Au chocolat. Oh, on aurait dû faire un gâteau blanc. C'est pas le tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Mais il me casse à chaque fois, chaque épisode, il me casse quelque chose. Il me casse le frigo, il me casse les chiottes, il me casse la télé. Il y a la douche et la baignoire qui n'ont pas cassé encore. Soirée Netflix, ça a été horrible. Il clignote pas, bébé. Bébé. C'est pas un bébé, c'est un bambin. Si, clignote. On va aller faire son gâteau d'anniversaire. Ouais, petite, elle peut aller dormir. Hein. Ah, c'est celle-là. J'ai confondu avec celle-ci, moi. Ah, mais pourquoi tu pleures? Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est horrible, les bambins. Mais pourquoi? Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton gâteau, toi? Tu vas le foutre où? Mais c'est pas là qu'il fallait le mettre, Jeannette. Ah! Bougie. Mon garçon, viens. Mon snow, lève-toi et viens donc souffler des bougies. Viens grandir aussi, devenir un petit garçon. Ah, le petit gros, là. Le petit gradu. Non, mais... Viens fêter l'anniversaire de ton fils, Céleste. Non, mais elle était là et d'un seul coup, elle y est plus, quoi. Allez, c'est l'anniversaire. Il s'est poursuivi de sa mère. Toujours avec une pose magnifique, hein, du bambin qui grandit avec une tête. Bah, tu souffles pas du tout au bon endroit, mon garçon. Non, moi, à gérer, j'avoue. Et il a tout compris, lui. Il se dit, ah, c'est la génération bleue. Ouais, mais toi, t'es pas génération bleue. Ouf. Ouais, du bidou, hein. Il y a du bidou, hein. Alors, beau ou pas? Oh. Oh. Oh, il m'a fait penser à Instant à Pulco. Ou à Albert. À Albert, peut-être plus. Ah, fameux Albert. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller voir la génération blanche. Même si on s'en fout, en fait. Je veux voir ce qu'il y a, et puis si ça me plaît pas. Alors, blanc. Morose, fou, extraverti. Bon, on va faire au pif. Alors, aspiration, celle-là. Voilà, Buzz Social Butterfly. Et il sera 1, 2, 3, paresseux. Non. J'ai pas envie de qu'il soit paresseux. 1, 2, 3, sûr de lui. Oui, c'est mieux. Il en aura besoin.
Le petit gros. Il avait pleuré devant la gravure. Je suis moche. Je suis gros. Ah oui, il est pas content. Il est pas content d'avoir un frère. Oh, bichon. Ça va être ton meilleur pote. Ah, parce que... Oh mon dieu, papa et maman, ils sont occupés de lui. Ils m'aiment plus. Allez, hop, tout le monde au lit maintenant. Tout le monde au lit. Un lit, s'il vous plaît. Un lit, un lit, un lit. C'est lequel? Ah, bah on l'a pas. Eh ben donc, tant pis. C'est pas celui-ci, c'est pas grave. On changera la prochaine fois. Et là, tu vas me dire, je peux pas le mettre dans la... Ah bah tu dormiras dans l'entrée, hein, mon garçon. Tant pis, j'ai pas envie de m'en prendre la tête ce soir. Attribuer un lit. Hey Snow, tu vas prendre... Tu vas aller dormir. Va pleurer dans ton lit si tu veux. Tu dors dans le couloir, c'est pas grave. Tu récupéreras ta chambre la semaine prochaine. Un peu de sport, il sera mieux car il est plutôt mignon. On le fait courir. Ah oui, il va courir. Hein. Voilà, ça. Ah bah voilà, tu vois que ça va être ton pote là, regardez-le. Ah maintenant je suis copain. Hein. Ah je suis pas content, mais je suis content. Oh la vache. Oh, par rapport à Kiri, c'est tout mon... tous les autres, ils ont un nom de fromage, mais c'est lui qui est gros, tu sais. Oh la dégaine avec le Marcel et tout. Oh l'enfer. Eh toi, dormir aussi toi. On va foutre la paix. Ah, oh, quel calme, tout le monde dort. Oh, oh oui. Hmm. Et ça, ça arrache bien les yeux comme... comme pyjama que tu as, mon petit. Oh, les lunettes de soleil et tout. Bah ouais, la classe jusqu'au bout. Hein. La classe jusqu'au bout. Bon, bah écoutez... Oh, je suis perdue dans mes touches. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, 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 non. Non, tu vas faire une sieste. Allez, fais ta, dépêche-toi. S'il te plaît. Ne me pousse plus à bout, là. Puis j'ai faim. Et moi, j'ai. Bon, vas-y. Allez, dodo. Dodo, fais ta. Oui. Allez, hop, j'enregistre. C'est bon pour moi. Les lunettes de soleil pour dormir. Salut, Mach. Oui, non, mais c'est vraiment pour aller rapidement... Hein. C'est parce que là normalement c'est sa chambre, mais j'ai comme le lit voulait pas se placer, j'ai dit bon bah tu vas dormir là et puis basta. Mais la semaine prochaine on refera mieux la chambre pour qu'il puisse dormir là. Récupérer sa chambre peut-être avec son frère, comme ça voilà, chambre de garçon, chambre de fille, et on sera tranquille. C'est vraiment histoire d'aller rapidement, mais pas qu'il a déjà un lit parce que j'ai failli ne pas lui en mettre et qu'il dort sur le canapé en attendant la semaine prochaine. Allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter YouTube, j'espère que ce petit live vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et un petit partage de la chaîne évidemment. Je vous applaudis parce que vous avez été jusque là. Et j'applaudis également tout le chat qui est présent. Fais ta sieste. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite d'une autre sauberie ou d'autres choses. Gros bisous à vous. Ciao.